la durée de la nuit. Mais je me tiens beaucoup de la nuit. Le soleil finit toujours par s'élever. Amanhã sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona seus filhos. Parce qu'il t'aime. Porque ele te ama. Il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor. Tu t'en sortiras. E serás vencedor. Essuie tes larmes. Enxuga as tuas lágrimas. Et loue l'Éternel. E louve ao Senhor. Alléluia. Ah, Zambéa Kouzou.
Zonga Mikoloyo, Jésus revient bientôt. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Tout est vanité, des vanités sous la terre, dans Jésus. Doudou chéri, c'est toi que j'aime. Je t'aime trop, trop, trop. Oleki, Kunduluna, Kwakana, Elengi. Que c'est beau l'amour. Aime ta femme. Aime mon frère. Sois fidèle à ta femme. La fidélité. Elengia Libala. C'est dans la fidélité. Ah. Iziki Abana Nzambe. Nous qu'à danser pour Jésus. La vie est belle avec Jésus. Celui qui craint l'Éternel prospère. Je dis, voici mon serviteur, il prospérera. Bino ma pasteur pose la rafauchée. Vina bino sa clairtin. Parce que Dieu est un bon patron, il paye bien. Comment tu peux servir de Dieu encore fauché? Il y a un problème. Agnès Lissiki, le Kiamotema. Ah, bon Zambé, Amolia, Elise Nangai, Naomi, Laure, Esther, Bana, Zambé Pambola. Pour la lobby prolongation. Et que ce soit bon, hein? Prolongation petit. Mais si tu auras la prolongation, dis-leur de gagner bango. Oh Jésus, je t'aime Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues de faire. Thank you Jah. Thank you God. Thank you, Lord. Gracias mucho al Señor para todo lo que tú haces en mi vida. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Jésus-Christ dit, mes brebis attendent ma voix et me suivent. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduira. Il me guidera. Il me dirigera. Mes brebis attendent ma voix et me suivent. C'est quoi attendre la voix de Dieu? C'est suivre la parole de Dieu. C'est écouter la parole de Dieu. C'est demeurer dans la parole de Dieu. C'est garder la parole de Dieu en soi. C'est obéir à la parole de Dieu. Maintenant, les chrétiens obéissent au gourou évangélique. Maintenant, les chrétiens sont comme des moutons. Ils ne savent pas discerner la voix de Dieu et la voix d'un homme. La voix de Dieu est la voix des démons. L'apôtre Paul dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a beaucoup des esprits d'antichrist. Aujourd'hui, des gourous, des faux pasteurs vous disent, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Un homme va dire qu'une femme mariée, c'est sa femme. Une femme qui est mariée, il va la prendre, il dit, c'est le Seigneur qui m'a dit. Et vous croyez, depuis quand Dieu est pour l'adultère? Depuis quand Dieu est pour l'adultère? Ce n'est pas le Seigneur qui lui a parlé. Écoutez l'esprit. Et dans les rapports sexuels, c'est le mélange de fluides. Celui qui commet l'adultère pêche contre le temple de Dieu, détruit le temple de Dieu et Dieu promet de détruire la personne. Écoutez bien. Lorsque un homme et une femme sont dans l'intimité, couchent ensemble, il y a le mélange de fluidité. Le fluide spirituel se mélange. Les malédictions que l'homme a et les malédictions que la femme a se mélangent. Quand tu prends un verre de café, tu le mélanges avec un verre d'eau. Ça se mélange. Alors, ce mélange se traduit par des MST.
maladies sexuellement transmissibles qui doivent être traitées. Il faut un traitement. Il ne suffit pas seulement de confesser. Il ne suffit pas seulement de se répandre. Il faut un traitement. Mais il y a aussi des MST, maladies sexuellement transmissibles. MST, maladies sexuellement transmissibles. MST, maladies spirituellement transmissibles. Et ces maladies-là, il faut la délivrance. Voilà pourquoi il y a des femmes. Dès qu'ils connaissent un homme, ils ne peuvent pas s'en séparer. Ils ne peuvent pas vivre sexuellement avec un autre homme. Parce que elle est possédée, elle est contaminée. Bonjour chers amis, chers téléspectateurs, bonsoir pour ceux qui sont en France métropolitaine, c'est déjà 20h. Et bonjour pour ceux qui sont dans les Antilles. Et je pense pour ceux qui sont bonne matinée pour ceux qui sont à la Nouvelle-Calédonie. Et je tenais à vous bénir et à vous saluer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu réalise vos rêves. La vie est belle. Alors, j'aimerais continuer toujours dans ma lignée pour vous parler un peu de la puissance de la louange. Comme nous a dit, chanter pour bon Dieu. Vous voyez, les jeunes ambianceurs aiment les boîtes de nuit. Vous savez pourquoi les boîtes de nuit sont remplies? C'est pas surtout à cause de l'alcool, mais c'est à cause de la musique. En général, les gens aiment beaucoup la musique, l'ambiance festive qu'il y a dans les boîtes de nuit. Je tenais à vous dire aussi que les anges aiment la louange. Pareillement, les anges aiment la louange. Ils viennent dans nos maisons, ils viennent dans nos vies. Même l'onction de Dieu est plus grande dans nos vies. Lorsque nous passons, nous consacrons beaucoup de temps à la louange. Nous avions vu le cas des enfants d'Israël qui étaient devant Jéricho, une ville qui était imprenable. À l'époque, bien sûr, ils n'avaient pas les moyens matériels pour escalader le mur, ni pour casser le mur. C'était un problème qui dépassait humainement leur force. Alors, Dieu, l'ange de l'Éternel, leur a demandé de louer. Ils ont fait 7 fois le tour de la ville et ils ont lancé des clameurs de victoire, des cris de victoire, et le mur de Jéricho se sont écroulés. Voyez, le chiffre 7 est un chiffre parfait. C'est-à-dire, ils ont loué Dieu suffisamment pour l'écroulement du mur. Vous savez, il y a des situations où il y a des murs dans nos vies qui demandent 3 jours de louange. Il y a certains murs dans nos vies qui exigent, je pourrais dire, 7 jours de louange. Il y a certains murs, c'est-à-dire certains problèmes que nous vivons qui exigent 21 jours, comme le cas de Daniel. Daniel a dû prier 21 jours. Moïse, lui, il était obligé de faire 40 jours. Esther était obligée de faire 3 jours à sec. Vous voyez le problème des fois. Certains problèmes ou blocages sont dans nos vies et parfois nous voyons ces problèmes sous un angle humain. On se dit, parfois je n'ai pas de chance dans ma vie, je ne comprends pas ce qui se passe. Et parfois, on voit la chose d'un angle humain, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des puissances occultes, qu'il y a des esprits qui viennent bloquer nos vies, qui viennent bloquer notre santé, qui viennent bloquer même nos projets, et que nous avons intérêt à donner la première place à Jésus. Amen. Et à louer Dieu. Lorsque nous louons Dieu, c'est en ce moment-là que les murs s'écroulent dans nos vies.
C'est en ce moment-là que nous pouvons expérimenter la gloire de Dieu. Donc les enfants de Jéricho ont loué Dieu suffisamment pour que le mur de Jéricho s'écroule. Ceci est un exemple qui nous montre la puissance de la louange. La puissance qu'il y a lorsque les enfants de Dieu se mettent à louer Dieu. Lorsque les enfants de Dieu décident de donner toute la gloire à Dieu. Lorsque les enfants de Dieu décident de servir leur Dieu. Croyez-moi, lorsque vous donnez toute la gloire à Dieu et que vous décidez de louer Dieu, d'élever le nom de Dieu, Dieu se manifeste et Dieu se glorifie. Il est un Dieu tout-puissant devant qui rien n'est impossible. Dites-vous que il n'y a aucune situation qui soit dure devant ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. On va lire ce passage dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 23. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre violent, que les fondations de la prison ont été ébranlées, toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. C'est puissant. Voilà une histoire qui nous illustre vraiment la puissance des jeunes, de la louange, la puissance qu'il y a dans la louange. Paul et Silas ont été arrêtés. Ils ont été, je dis bien, chicotés. En passant, là où nous avons parlé de chicotes, et je peux vous dire, il y a chicote et chicote. Le Romain, quand il chicotait quelqu'un, c'était 40 coups moins 1. Ça veut dire 49 coups. Et les chicotes romaines étaient en cuir. C'était des cordes en cuir. Et dont les extrémités avaient des clous. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui reçoit 40 coups, c'est-à-dire les chicotes romaines, quand ça rentrait sur, ça touchait le dos, ça arrachait carrément la peau. Donc, l'apôtre Paul et Silas avaient sûrement d'énormes blessures sur leur dos, des douleurs. Je pense que ils avaient toutes les raisons du monde pour pleurer, pour se plaindre. Aujourd'hui, quand je vois les chrétiens de notre époque se décourager, baisser les mains, se plaindre ou de leur pasteur ou de leur église, je me dis, ils ne sont pas conscients des privilèges qu'ils ont d'être à cette époque où il n'y a plus de persécution. L'apôtre Paul et Silas étaient dans un endroit, à une époque où se faire appeler chrétien était très très dangereux. La preuve, ils ont été chicotés. Mais au lieu de se plaindre et de pleurer, et ils ont décidé de louer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu toute la nuit, au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer Dieu. Et les prisonniers les entendaient louer Dieu. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre à l'endroit où ils étaient. Le mur de la prison, toutes les chaînes se sont écroulées. Et la Bible dit que
Tous les prisonniers ont été libérés. Voyez la puissance de louange. Ils n'ont pas seulement été libérés eux seuls, mais tous les prisonniers, ce jour-là, ont été libérés parce que Paul et Silas ont loué Dieu. Voilà pourquoi je crois que tes enfants, ta famille, tes compatriotes, même tes voisins peuvent être libérés, peuvent être délivrés, peuvent être sauvés parce que vous louez Dieu. Croyez-moi. Et voilà pourquoi le diable, il ne veut pas que vous louez Dieu. Il veut que vous passez votre temps à critiquer, à vous plaindre, à murmurer. J'avais un chrétien dans mon église qui passait tout son temps à murmurer. À murmurer, et bien sûr, parfois il avait raison, mais murmurer, ça ne produit aucun fruit. Murmurer, ça ne change rien dans la vie spirituelle. Il faut que nous puissions arrêter de murmurer, de nous plaindre. Mais Dieu attend de nous que nous puissions le faire confiance, que nous puissions croire à sa fidélité et que nous puissions le louer comme Paul et Silas. Je ne sais pas dans quel type de prison que tu es, mais ce que je sais, tu as un grand Dieu. Comme David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Ayez simplement confiance en Dieu. Même quand vous êtes dans un temps difficile, vous passez des moments difficiles, quoi que le médecin ait dit, ayez confiance en Dieu et mettez-vous à louer le Seigneur. Alléluia. C'est très, très important. Alors, je disais comme David a dit, je tourne mes regards vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. En cas d'où il y a des situations, plus vous pensez à la situation, plus vous êtes angoissé. Donc, on dit, mais comment on peut faire? Et surtout quand vous êtes sur le choc émotionnel, c'est pas facile. Et je connais une femme, elle avait vécu une séparation brusque. Son mari l'a laissée avec des enfants et il est parti avec une autre femme. Et cette sœur est venue me voir. Le premier jour qu'on s'est vu, elle était perdue. Elle ne voyait plus son avenir. Et c'est vrai que sa situation était très compliquée. Voyez, c'est un conseil que je vous dis. Ne soyez jamais sûr à 100% d'un être humain. Il faut toujours avoir un plan B dans la vie. Bien sûr, tout va bien. Bien sûr, aujourd'hui, tout va bien, mais tu ne sais pas demain. Donc, tu ne peux pas vivre et miser ta vie sur un homme, sur un être humain qui peut changer d'un instant à un autre. Voilà pourquoi il faut toujours avoir un plan B. Il ne faut pas dépendre d'un homme à 100%. Il faut toujours avoir un métier. Il faut toujours faire une formation, pouvoir se dire que si un jour un problème arrive, tu peux exister et subsister. Voyez. J'ai toujours dit à mes enfants, surtout à mes filles, il faut avoir un métier, avoir une formation et être sûr que même si un jour un homme t'abandonne, tu peux survivre de toi-même. Parce qu'un être humain change d'un jour à un autre. C'est comme Akadi.
On ne peut pas être sûr à 100% d'un être humain. Un humain reste un humain. Alors cette femme ne se projetait plus dans l'avenir. Elle était vraiment sous les chocs. Et je priais avec elle. Je lui ai dit, écoutez, Dieu est vivant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas le seul être, ce n'est pas le seul homme qui existe sur terre, voyez. Il y a un homme pour qui tu es une merveille. Et je lui ai surtout dit, vaut mieux être reine dans une case en bois que d'être esclave dans un palais royal. Ça c'est mon proverbe à moi que je criais. Vaut mieux être reine avec de petits moyens, mais être heureux. Et être esclave dans un palais royal. Il n'y a pas longtemps, ce dimanche, je l'ai vue. Et elle m'a dit, pasteur, je commence à voir l'avenir autrement. Je commence à me projeter. Je commence à croire. Je commence à croire maintenant que je ne suis pas fini. Vous voyez, avec le temps. Il a fallu un temps. Parfois, il faut un peu de temps pour se projeter. Pour vaincre les effets du choc émotionnel, pour vaincre la négativité et même pour oublier certaines paroles négatives. Je me rappelle toujours de l'histoire d'un coq du village qui a toujours été attaché. Et le jour où on a coupé la corde, elle bougeait toujours sa patte par derrière, comme s'il y avait toujours une corde dessus. Tellement que la corde avait, le coq avait toujours la sensation qu'il y avait une corde sur sa patte. Il bougeait toujours sa patte et le pire, c'est que il ne quittait pas l'espace que sa corde l'avait donné. Donc, elle ne quittait pas le diamètre, la surface circulaire de la longueur de sa corde, comme si la corde était toujours là. Et il a traîné dessus pendant 2 heures, mais il a fallu un temps qu'il fasse un pas de plus, 2 pas de plus, et se rendre compte qu'il est libre. Vous voyez, nous vivons des situations très difficiles. Mais dans de telles situations, bien aimé, il faut louer Dieu. Il faut louer bon Dieu. L'erreur que nous faisons parfois, nous cherchons à comprendre pourquoi ceci m'arrive. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? On se pose tellement des questions et on ne comprend pas pourquoi telle situation m'arrive. Voyez. Et plus on réfléchit, croyez-moi, plus on désespère. Lorsqu'on réfléchit et qu'on ne trouve pas d'issue, on désespère. Ne désespérez pas. Louez seulement Dieu. Ne cherchez pas à comprendre comment Dieu fera, comment je trouverai l'argent, comment cela se passera, et surtout, comme on dit, avec des si, on refait la terre. Croyez simplement que Dieu est le Tout-Puissant. Croyez simplement que Dieu est grand. Voyez, lorsque David est arrivé devant Goliath, il n'a pas réfléchi. S'il avait réfléchi au palmarès de Goliath, je ne pense pas qu'il se serait avancé. Goliath était imbattable. Il était tellement costaud qu'il avait un soldat qui était spécialement embauché pour lui porter sa lance. Mais David avait foi. Il avait simplement foi. Et il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à proclamer la gloire de Dieu. Il a commencé à élever Dieu. Je ne sais pas quel problème vous avez, je ne sais pas dans quelle prison vous êtes, mais je peux vous dire que vous n'êtes pas fini. Eh bien, la preuve, vous êtes encore là. Regarde ton passé et regarde combien de problèmes tu as eu dans le passé. Mais ces problèmes ne t'ont pas détruit, ne t'ont pas achevé, tu es encore vivant. Tu vas encore t'en sortir de ce problème. J'en suis sûr. Si tu donnes ta main à Jésus,
si tu acceptes de tenir la main de Jésus et d'avancer, ce problème que tu es en train de traverser deviendra un témoignage. Rappelle-toi toujours de la grandeur de Dieu, de la force de ton Dieu, de la puissance de Dieu. Jésus-Christ est le seul prophète qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». J'ai regardé la vidéo d'un homme qui m'a beaucoup impressionné. Il a dit « Le Coran reconnaît que le seul être humain qui n'a jamais péché, c'est Jésus ». Le seul prophète qui est né sans rapport sexuel, à partir d'une vierge, c'est Jésus. La seule femme qui, dont le nom est dans le Coran, c'est Myriam, la mère de Jésus. Le Coran reconnaît que Jésus est vivant, il est dans le ciel. Le Coran reconnaît que Jésus reviendra au dernier jour pour le jugement. Le Coran reconnaît que Jésus est un esprit et l'esprit de Dieu, le verbe de Dieu, l'esprit de Dieu, un esprit émanant de Dieu. Et je crois que quand vous regardez tous ces qualificatifs, il n'y a aucun prophète qui a ce qualificatif. Il y a un musulman qui s'est converti au christianisme seulement en étudiant ce que le Coran dit sur Jésus. Mais c'est pas possible. Le Coran reconnaît qu'il est vivant encore aujourd'hui. Le Coran reconnaît qu'il va revenir juger les morts et les vivants. C'est pas Moïse, c'est pas le prophète Élie, c'est aucun autre prophète, mais c'est Jésus qui va revenir. Le Coran reconnaît qu'il est le Verbe de Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant. Voilà la bonne nouvelle que je tenais à vous dire. Ne laissez pas votre âme vous étouffer et vous amener à douter de la force et de la puissance de Dieu. Allons voir maintenant les sept bénéfices de la louange. La louange brise les puissances démoniaques. Eh bien, si votre maison est envoûtée ou si vous vous sentez envoûté, il y en a qui prend de l'encens, qui met dans la maison, il y en a qui, je ne sais pas, qui brûle du parfum, il y a des gens qui ont des traditions, il y en a qui prend les sabots de bœufs ou de chevaux, ils les collent sur leur porte. Il y en a qui prennent la prière de Saint-Michel, qu'ils collent sur les murs. Il y en a qui prend des chapelets, mais j'ai été dans différentes maisons envoûtées. Ces choses-là ne marchent pas, malheureusement, pour vous. Ça ne marche pas. Je crois que ceux qui en ont, en doivent en faire l'expérience. Vous devez être à l'évidence. Dimanche, j'ai dit à une sœur, avant que je prie pour toi, vide ta maison de toute superstition. Vide ta maison. Elle m'a dit, mais pasteur, ça m'a coûté cher, j'ai de ceci, ça t'a coûté cher, mais est-ce que c'est efficace? Elle dit, tu as raison, c'est pas efficace. Mettez-y à la poubelle. On va essayer avec Jésus, Christ de Nazareth. Et cette sœur a accepté. Voyez, ça ne marche pas. Mais mettez la louange. Prenez une radio, mettez souvent la louange chez vous et chantez. Allez sur YouTube, mettez louange, gospel, louange. Il y a de louanges qui durent 3 heures, 4 heures. Il y a des playlists qui durent 2 heures. Mettez une louange pendant 2 heures. Écoutez simplement la nuit, le jour. Bien sûr, sans faire de tapage. Et puis, essayez de chanter aussi. Vous allez voir vous-même le changement. Le diable ne supporte pas la louange. Croyez-moi, le diable pas qu'à supporter louange. J'aimerais vous parler d'une histoire. J'étais allé un jour désenvoûter une maison à Petit Canal.
Cette maison était désenvoûtée, c'était une maison en duplex. Il y avait le haut et le bas. Et sans commencer, c'est une histoire longue. Et je vais tout de suite commencer simplement. Quand je suis arrivé à la maison, on était à 5. Il y avait Chantal, maintenant qui est à la retraite, la sœur Chantal, elle est psychologue. Il y avait encore d'autres frères et sœurs avec moi. On était au moins 5. Quand on est arrivé devant la maison, on est rentré dans la maison qui était fermée. La dame avait abandonné la maison et elle nous a accompagnés pour revisiter la maison. Quand on ouvre la maison, on voit des herbes à l'intérieur, on voit des pierres à l'intérieur, on voit tout un tas de choses qui traînent à l'intérieur. Et croyez-moi, j'avais du mal à croire. C'était le chaos. La télévision était par terre, des désordres total. Je demandais à la dame, mais qui a fait ça? Qui m'a fait ça? Elle m'a dit, mais pasteur, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Je dis, non, c'est pas possible. Ça ne peut pas venir tout seul. Je suis désolé. C'est quelqu'un qui a fait ça. Elle m'a dit, mais pasteur, si tu ne crois pas, on peut nettoyer tout, on sort et puis on retourne. J'ai dit ok. On a tout nettoyé la maison. On a ramassé les pierres. On a remis tout en ordre. On a remis la télévision à sa place. On est monté à l'étage. On a rangé la chambre. On a tout arrangé. On est sorti dehors. Croyez-moi, on était derrière la porte. On a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ouvre la porte. Tout était par terre et personne n'a bougé. Je vous dis, tout était par terre. Le pire, c'est qu'il y avait des herbes de l'extérieur qui traînaient à l'intérieur. C'était spectaculaire. Depuis que je suis né, c'est la première fois que j'ai vu une telle démonstration. Et je vous dis, depuis que je suis né, j'ai entendu parler du diable, mais là, j'ai vu la queue du diable. Vous pouvez douter, hein. J'ai même des psychologues qui étaient avec moi, des fidèles psychologues, des médecins, des gens responsables qui étaient avec moi et qui peuvent confirmer cela. C'était impressionnant. Il y a que Superman qu'on voit dans les bandes dessinées qui peut faire un tel désordre aussi rapidement et sans faire le moindre bruit. Alors je dis à la dame, on ramasse. On a tout ramassé. On a ramassé tout ce qui traînait. On a ramassé. Et on a arrangé la maison et puis on a dit, on va prier. Je me suis mis à louer l'Éternel. Je n'ai rien fait de plus que louer l'Éternel. Je me suis mis à louer Dieu. Et puis, j'ai dit, c'est bon. On a chanté un cantique pendant 2 minutes, 3 minutes. J'ai dit, ok, l'ordre est là. La dame a dit, mais non, c'est pas possible. Pasteur, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait d'incantation, tu n'as pas... J'ai dit, écoutez, le diable est parti. Si tu ne crois pas, on refait ce qu'on vient de faire. On est sorti, on a fermé la maison, on attendait 10 minutes, on rentre, tout est en ordre. On est ressorti, on attendait 30 minutes, on rentre, tout est en ordre. Les démons sont partis parce que nous avons loué Dieu. Ça, c'était une expérience extraordinaire. Mais le problème vient surtout du fait que il y a certains démons qui sont plus résistants. Certains démons peuvent vous résister une semaine. Voyez, lorsque vous avez une infection, moi, j'avais eu il y a longtemps une infection angine, mais très fort. Mes ganglions avaient gonflé. C'était très dur et j'ai pris des antibiotiques. Et le premier jour, il n'y avait aucun changement. J'avais la douleur. C'était comme si j'avais pris des bonbons. Le deuxième jour, il n'y avait aucun résultat, mais je me suis dit, mais à quoi sert ces antibiotiques? Il n'y a aucun changement, c'est pas puissant. Le troisième jour, je constatais une amélioration. La douleur a complètement baissé. J'ai dit, waouh, mais il m'a fallu patienter 3 jours. Si j'avais arrêté le traitement le premier jour ou le deuxième jour, j'aurais eu tort. Voyez. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
quand j'ai pris des antibiotiques, ces antibiotiques sont allés renforcer mes anticorps et ils sont allés ensemble se battre contre l'infection, contre les microbes, les bactéries. Moi, je ne le voyais pas. Mais c'est quelque chose qui était invisible et tellement minuscule, ça s'est passé à l'intérieur de moi. Je ne le sentais pas, je ne le voyais pas, mais il y avait un combat à l'intérieur de moi. Le deuxième jour, c'était pareil. Et le troisième jour, les anticorps ont eu le dessus sur l'infection. C'est un peu ça des fois, quand vous louez devant une situation difficile, une situation qui traîne, qui ne bouge pas, ne pensez pas que Dieu vous a oublié ou que Dieu est incapable. Non, c'est faux. Dieu est en train d'agir. Parce que des fois, on a l'impression qu'on prie, rien ne se passe. Je me disais, pasteur Élie, vous avez prié, mais rien ne se passe. Mais Daniel a dû prier pendant 21 jours. Ce n'est pas parce que vous ne voyez aucun changement aujourd'hui ou que vous ne sentez aucun changement, que rien ne se passe. Des fois, il y a un combat spirituel entre les anges et les puissances des ténèbres. Mais vous ne le voyez pas. C'est pareil, le cas de Daniel, il a commencé à prier Dieu, à louer Dieu, à chanter des psaumes, des cantiques. Le premier jour, rien ne se passait. Le deuxième jour, rien ne se passait. Le troisième jour, rien ne se passait. Le quatrième, le cinquième, sixième, septième, huitième, et le 21e journée, il a vu l'archange Gabriel qui lui est arrivé et qui lui a dit, mais Daniel, dès que tu as commencé à louer Dieu, à prier, dès le premier jour, tu as été exaucé. Tu m'avais déjà envoyé, mais il y avait le prince de Perse, un démon puissant qui me bloquait le passage. Il a fallu que tu persévères pendant 21 jours et que Dieu envoie l'archange Michel venir à mon secours pour que le chemin soit dégagé. Parfois, tu pries pour ta famille, tu pries pour ton fils, tu pries pour ta mère, tu pries pour tes enfants, et tu vois, rien ne se passe, tu te poses des questions, tu t'inquiètes, mais non. Quelque chose se passe, mais que tu ne vois pas. Crois simplement. Regardez cet homme-là qui était paralytique pendant 38 ans, je crois bien, si je ne me trompe pas, 38 ans. Il est resté au bord de la piscine. Quand un ange descendait, secouait la piscine, c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Le temps qu'il s'élève, quelqu'un avait déjà plongé le premier dans la piscine. Mais cet homme ne s'est pas découragé. Il s'est dit, un jour viendra, mon jour viendra. Eh bien, dites-moi, quelle chance un paralytique a devant tous ces malades. Mais sa persévérance, 38 ans, il n'a pas eu à se soulever, mais la piscine s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Jésus, la piscine a marché vers lui. La guérison est venue vers lui. Jésus est venu vers lui et Jésus l'a guéri. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Bougamouin, pourquoi vous décourager? Pourquoi vous désespérer? Et pourquoi tu vois la vie? D'abord, pourquoi tu veux te faire du mal? Pourquoi tu penses au suicide? Pourquoi tu penses que tu es terminé? Ça, c'est des paroles négatives. C'est ça qui bloque, qui empêche à Dieu d'agir. Bon Dieu avec Zot, c'est la majorité. Peu importe ceux qui sont contre toi. Le plus important, c'est que Dieu est avec toi. Tu as la victoire, bien-aimé. Tu vas t'en sortir. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais la parole de Dieu s'accomplira. Hariba kabashoto. Kondo baba. Yekabasanda. Sakabana yenda baba. Et j'aimerais vous faire écouter ces chants. Ça prendra le temps que ça prendra. Bon, je ne l'ai pas chanté aussi duo. Je l'ai improvisé. Vous savez, des fois, je chante faux parce que c'est des chants que je chante et que j'improvise sur place et que j'enregistre directement sans aucun entraînement. Vous voyez, donc, je compose comme ça.
Bien sûr, après, je le fais chanter par mes choristes. Donc, je vais te faire écouter ce chant-là. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais la parole de Dieu, Bougamouin, ça finira par s'accomplir. La louange brise les puissances démoniaques. La louange attire la présence de Dieu. La louange nous fortifie. La louange chasse la tristesse, la dépression. La louange ranime la flamme de Dieu, les dons spirituels que nous avons. La louange réjouit le Seigneur. La louange est une expression de la foi qui stimule aussi la foi. On ne loue pas Dieu que quand on est joyeux ou quand tout va bien. Il faut apprendre à louer Dieu quand tout va mal. C'est surtout pendant ces temps-là que nous avons besoin de louer Dieu. La louange est un traitement contre la tristesse. Selon ce monde qui mène à la mort, la louange guérit. Nous allons voir dans le psaume 42, David dit, « Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » David est arrivé à un point où il parlait à son âme. Son âme était triste, mais il ne voulait pas laisser la tristesse l'achever et l'anéantir. Son âme était triste. Ça peut arriver qu'on soit triste, qu'on soit découragé. Mais ne laisse pas ton âme imposer sa loi. Ne laisse pas tes émotions te dominer. Ne laisse pas ta volonté être anéantie par cela. David a dit, pas question, je ne me laisserai pas faire, je veux louer Dieu. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu sur moi, car je louerai encore l'Éternel. Voyez, il parlait à lui-même, il parlait à son âme, il s'est dominé. Bougamouin, pas laisser ou faire. Domine-toi, lève-toi, lave-toi, parfume-toi. Et habille-toi bien. Y'a ce Dieu qui a les derniers mots. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. C'est encore possible. Nous allons voir dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Pas laisser autres attrister, pas laisser autres décourager, pas laisser autres déprimer. En vrai, dis autres, ce n'est pas fini pour toi. C'est encore possible. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la sorcellerie. Jésus-Christ a vaincu la maladie. Et Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Croyez simplement que c'est possible. Croyez simplement que c'est possible. Et montez votre foi dans ce Dieu de gloire, dans ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta fidélité. Tu vas dire, Seigneur, je crois en toi. Répète un peu ça. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es puissant. Je crois que je ne suis pas fini. Je crois, Seigneur, que tu m'as guéri. Malgré la douleur que je sens toujours, malgré les sensations que je sens toujours, et je ne veux pas douter. Toi qui dis, heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir senti. Je m'appuie sur toi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais que je vais vivre ma victoire. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu ne peux pas mentir. Tu es le Dieu de Dieu, le roi des rois, Hariba Shikababa, Sabadaba Yondoro Kamayende, Koraba Shindaraba Sotokoma, Ikarabana Yete Kabashekiribana. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci. Ta parole dit, tout ce que vous allez demander au Père à mon nom, je le ferai. Tu ne peux pas mentir. Tu as promis ça.
tout ce que moi je demanderai au Père en ton nom, tu vas le faire. Je crois, Seigneur Jésus, que je vivrai la gloire de Dieu. Je vais dire comme Job, je sais que mon rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera le dernier. Et mes propres yeux les verront. Pas les yeux de quelqu'un d'autre, mais mes propres yeux verront Dieu. Parce que mon rédempteur est vivant, mes propres yeux verront Dieu. Kabashi, kabaka, yanda, kamayede, yondoroba, shikaraba, sakaraba, yeke baba. Tu es Dieu. Tu es capable. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu tout puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu réalise vos rêves. On va écouter quelques chants à la gloire de Dieu. À bientôt. Quel que soit la durée de la nuit, mais je me tiens pour que dure la nuit. Le soleil finit toujours par s'élever. Amanhã sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona seus filhos. Parce qu'il t'aime. Porque ele te ama. Il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor. T'en sortiras. Et seras vencedor. Essuie tes larmes. Enxuga as tuas lágrimas. Et loue l'Éternel. E louve ao Senhor. Alléluia. Seigneur, libérame. RS
El Dios misericordioso, te amo mucho, Jesús. Jesús Cristo es mi amor. Piamo te manacolo deco, mama kanga kanga motema. Dieu agira en son temps. La vie sans Dieu est peine perdue. Heureux celui qui marche dans les voies de l'Éternel. Tu jouis du produit de ton travail et tu prospères. Celui qui craint l'Éternel ouvre une issue en toutes circonstances. En cas d'assez pour Jésus, Oyo musique à ma sangate, Tanton Rouge, Ami Baletouya Kindumba, Olongo na piste, Amboutea Japamba, Anouaï, quand l'Éternel, petit tika ma soumna yoana, Zambéa Kozonga Mikoloyo, Jésus revient bientôt. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Tout est vanité et vanité sous la terre, dans Jésus. Doudou chéri, c'est toi que j'aime. Je t'aime trop, trop, trop. Olegi, Kunduluna, Kwangana, Elengi. Que c'est beau l'amour. Aime ta femme. Aime mon frère. Sois fidèle à ta femme. La fidélité, Elengalibala, c'est dans la fidélité. Ah, ici qui a bananzambe, nous qu'à danser pour Jésus. La vie est belle avec Jésus. Celui qui craint l'Éternel prospère. Je dis, voici mon serviteur, il prospérera. Vino ma pasteur pour la rafaucher, vino ma nos acclairtins, bon, parce que Dieu est un bon patron, il paye bien. Comment tu peux servir de Dieu encore fauché? Il y a un problème. Walou Badji Kema, Chilongo Djadjinene, Agnès Lissiki, Lekiamotema. Zambé, Pamolea, Elise Nangai, Naomi, Laure, Esther, Bana, Zambé Pambola. Toke, 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 toke. Oh! On se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme s'aime, tôt ou tard, il le récoltera. Pour la lobby prolongation. Et que ce soit pour le prolongation petit. Mais si tu auras la prolongation, dis l'air de gagner Bango. Oh Jésus, je t'aime Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues de faire. Thank you, Jah. Thank you, God. Thank you, Lord. Gracias mucho al Señor para todos que tú haces en mi vida.